Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Racing Battle C1 Grand Prix. Un jeu japonais, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas vous apprendre grand chose. Donc, un jeu de voiture, toujours. Je suis un peu tombé dessus par hasard. Je ne sais plus si on me l'a recommandé, je vous avouerai, j'ai plus de souvenirs. Donc, on a un mode quête, on a un mode challenge, on a un mode pour revoir les replays, on a les options. On va aller dans les parties options. Donc on a les options pour charger la partie, sauvegarder la partie, enfin, l'inverse plutôt. On a les paramètres du jeu, notamment au niveau de l'assistance pour les freins, ce genre de choses, je sais plus exactement tout ce que ça veut dire. Voilà, donc ça on peut choisir pour la version 2 joueurs, la version 1 joueur, pour chaque joueur en fait les paramètres de difficulté. On va revenir en arrière. Là c'est les paramètres de vision, voilà, donc on peut afficher max par heure, kilomètre par heure, l'affichage proche un peu plus éloigné. Après ça je sais plus à quoi ça correspond. Ensuite on a les paramètres son avec le mono ou le stéréo, on peut choisir le niveau du son évidemment du jeu et de la musique, on va le laisser par défaut. Et d'ailleurs on a encore le BGM là, on peut faire les tests audio. Ensuite, alors par contre je sais plus du tout ce que c'était. Du coup c'était comment on appellerait ça. Voilà, c'est les paramètres en fait de freinage, d'accélération, voilà, de réponse à la commande, etc. On va laisser ça par défaut. On va revenir en arrière. On a les options aussi pour le force, pour le feedback. Là, on peut rentrer des codes de triche. Si je dis pas de bêtises. Et on a aussi les contrôleurs. Donc ça, c'est les paramètres de contrôle de chaque joueur, hein, concrètement. Voilà. Voilà, donc c'est pas évident. Donc nous, on va faire directement. Il y a plusieurs modes. Hein. On peut faire mode VS, mais évidemment, je suis tout seul, donc on pourra pas le faire tout de suite. Donc on a mode challenge, le mode de quest. On va faire le mode directement, le mode de quête directement. Donc on va faire nouveau jeu, new game. Et c'est parti. Donc bon, évidemment ça va aller trop vite pour moi. Donc ça permet d'améliorer son skill, tous les événements sont ouverts, ouvrent la porte aux pilotes normaux. Bon voilà. Donc là il parle d'Osaka, il parle des circuits, hein. Concrètement il montre les circuits disponibles dans le jeu. Voilà, donc il explique que tous les joueurs se bataillent entre eux pour être le meilleur concrètement. Et donc du coup, bah, on va démarrer le jeu. Alors désolé pour la traduction boosteuse, en même temps c'est japonais, hein, donc voilà. Du coup, on va arriver dans le menu du jeu. Alors c'est la première fois que je joue au jeu, je précise quand même. Je n'ai même pas revu si le jeu marchait bien ou pas, donc ça risque d'être assez folklore. Alors là on peut choisir notre garage. On a trois types de garages, garage 1, garage 2, garage 3, ça fait penser à un jeu qui s'appelle Apex Point. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui est en early access, donc qui n'est pas encore en access, mais bon, un jeu en fait où on commence dans un garage, on a une voiture qu'on peut acheter d'occasion, etc., qu'on peut améliorer, on peut changer tous les éléments dans la voiture, etc. On peut chercher Apex Point, c'est un projet qui a l'air assez sympa. Oui, c'est un peu de la pub pour une fois que je suis pour des gens, mais voilà, si ça vous intéresse, le truc des voitures japonaises modifiables à fond avec des pièces, etc., pour faire un peu de la course avec, du drift, ce que vous voulez, bah essayez d'aller voir un petit peu. Alors je vais prendre quel garage, on va prendre celui-là. Il y en a qui est plus cosy que les autres. Bon, ouais, celui-là, on va prendre celui-là, donc oui. Ensuite, donc du coup la voiture, ben, on va voir ce qu'on peut prendre. Donc on a la possibilité de prendre des voitures, donc soit des nouvelles voitures ou des voitures d'occasion. On va aller sur les voitures d'occasion bien sûr. Voilà, voiture d'occasion. Et on a un budget qui est de 5 millions. Bon, rien j'imagine.
Même 5 millions de yens, ça fait combien si on divise par 100, ça fait... Ah oui, ça fait quand même 45 000 euros. Il y a de quoi faire. Alors, on a quoi? On a une type, alors une 186. Alors le jeu a l'air plutôt bien fait. J'ai vu deux trois photos. Il a l'air plutôt joli. Donc on a, regardez, on a les statistiques pour chaque voiture. Là c'est pour la 186 par exemple. Donc du coup, ben, on a les paramètres pour le moteur, pour l'ordinateur, pour la suspension. On a en dessous les paramètres pour le pour l'embrayage, pour les freins, le système de nitro, le différentiel. On a un peu tout. Donc ça c'est pas mal. Et on peut voir un peu tout. Je sais pas si on peut les améliorer ces paramètres. D'ailleurs, ça serait intéressant. Parce qu'on a aussi le bumper. Bah après, on a la partie pour les ailerons. Deux apparemment. Je sais pas ce que ça veut dire. L'aileron arrière 2. peut-être qu'elle a une... peut-être qu'elle est pas mal à ce niveau-là. On a les pneus. Donc aussi SMSM. Donc soft medium, j'imagine. Voilà. Et la réduction de poids, elle est à 1 apparemment. Donc elle est déjà plus ou moins configurée, j'ai l'impression, cette voiture. Par contre, si je fais L1, L2, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux changer les autos comme ça. D'accord, donc en fait, c'est avec L1 et L2. Bah du coup, moi, ce que j'aimerais voir, c'est la bagnole. Ce serait pas mal. Donc, section du véhicule, donc avec L1 et L2, on a quoi d'autre? On a une... Alors, vous entendez peut-être un bruit de fond, c'est quand même que la perceuse au-dessus, c'est génial. On a une IST 15 1,5 SL édition, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est une Toyota! C'est une Toyota tout simplement. Ensuite on a quoi? Silvia KS S13. On a une MR2 Supercharger. On a une B... alors une BB... je sais pas ce que c'est comme marque ça par contre. Dianis N Cube, ça fait penser à ça. On a quoi d'autre? Alors on a que 5 modèles, au choix. D'accord. Si je regarde un peu les stats pour, par exemple pour celle-là... Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes stats? Attendez, si je fais R1... Eh non, on n'a pas les mêmes stats entre elles. Bon bah écoutez, vu qu'on n'a pas trop de choix, on va du coup... bah je sais pas ce qu'on va prendre. Alors j'ai un petit peu du mal, je vous avoue, à me déplacer dans le menu, parce que je suis un peu perdu, voilà. Alors ça, c'était les voitures qu'on avait en occasion. On va revenir en arrière. Et on a les voitures neuves, mais les voitures neuves, je pense qu'elles valent beaucoup plus cher. Regardez, on a tout ça comme constructeur, donc on a Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Honda et des Special. On a All Brand à la limite, All Brand de Kellogg's. Et vous voyez tous les modèles qu'on a. On a des Fur Lady, des Legacy, Wagon. Alors elles sont... Ah, on peut les acheter neuves. On a assez d'argent pour s'acheter ces caisses, mais c'est incroyable. Attendez. Attendez, mais je peux tout acheter en fait. C'est quoi ce délire? Je peux vraiment tout acheter. Alors du coup, par contre... Car Select, du coup... Ouais, ça c'est le... Power Ratio... Ça c'est le Torque, je sais pas ce que c'est en... Je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Ouais, Torque Q, là. Je sais pas ce que c'est, Torque Q. Drive System, oui, on a le type, en fait. On peut choisir par type de... J'ai l'impression. Ah, en fait, ça permet d'avoir des filtres, ok. Si par exemple j'ai vécu chez Nissan, j'ai quoi? Tout ça. Chez Mitsubishi, on a quoi? On a la EK Sport R. Mazda, on a tout ça. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de voitures dans le jeu. Je prends un petit peu mon temps en même temps à découvrir en même temps. Chez Toyota, on a quoi? Il y en a un peu plus. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple? Subaru. On va avoir quoi? Legacy, Wagon, Suzuki. Excusez-moi. Un cappuccino. Petit cappuccino, ça peut être sympa. Elle vaut un million, j'ai envie de la prendre. Elle a pas l'air de valoir trop cher. Daihatsu Copen. Oh, il y a une Daihatsu Copen. Oh bah je suis désolé les gars, ça va partir là-dessus, il y a moyen. Honda S2000, Integra, Odyssey, effectivement. Et Special Custom, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, vu qu'on va acheter une voiture neuve, ce que ça fait. J'ai envie de prendre une Daihatsu Copen, mais je pense qu'elle va être trop lente. Peut-être une cappuccino cette fois-ci. Allez, une cappuccino, soit je change un petit peu. Je peux pas changer la couleur, si. Si, j'ai trois couleurs au choix, donc type 1, type 2, type 3. On va faire... on va prendre blanche. Quoi que blanche? Ah, blanche, là, bien. Des métal, oui, je vais acheter.
Alors ça, du coup, ce sont les paramètres normalement des aides, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ouais, brake assist, je sais pas si on va le mettre en off. J'ai envie de tout mettre au minimum en fait. Shift assist, oui, par contre, j'aime bien garder les bottes de vitesse et la baseline. Alors ça, c'est la ligne de course. On va le laisser en off. Ouais, et du coup, on est content, on va pouvoir aller à la suite. Magnifique. Rank C, license 取得試験. Donc là, ça sera sur le circuit de Tsukuba, c'est pour l'acquisition de la licence. Et voilà ce qu'il va falloir faire apparemment. Ah oui, donc il explique qu'on peut pas aller en marche arrière, ok. Oui, donc en gros, si on continue dans la mauvaise direction, on va se faire disqualifier, ok. Donc il faut pas faire n'importe quoi à ce niveau-là, voilà. Bon, bah, je crois que tout va bien. Ok, bah, on va démarrer. Je sais pas ce que je dois faire. Un tour sur 1, section 1 sur 3, ok, c'est parti. Alors, bienvenue dans un jeu de drift. Ouh là la vache, ça glisse pas mal, ça glisse pas mal, ça glisse pas mal. Alors, est-ce qu'on a plus survu? Avec Select, on peut pas changer, L1, L2. On peut freiner, accélérer avec le carré et la croix, parce que là c'est classique. Et on peut aussi le faire avec les gâchettes. Là je freine. Avec eux, c'est magnifique. Et regardez le déplacement de... Alors j'ai fait une première section. Le déplacement de la masse, regardez, ça louvoie pas mal. Et quand on tourne, on sent quand même que la suspension travaille. Par contre, c'est très très flou la direction. Oh, oh mon dieu que c'est flou. Avec rond, on peut regarder derrière. On peut freiner. Par contre, elle est pas très contrôlable, la cappuccino. On a fait un deuxième secteur. Alors je ne sais absolument pas. Ah, on peut klaxonner en appuyant sur la gâchette gauche. Ah, on change de vue. Ok, d'accord. Oh purée. Alors attendez, attendez, on ne l'a jamais fait ça là. Donc du coup, on a une vue intérieure, bon, qui est un peu simulée. Il faut faire R3. R3 pour changer de vue. Alors on a une vue cockpit, mais la vue cockpit, bon bah elle est pas exceptionnelle. Et j'ai déjà obtenu la licence C, ça c'est pas mal. Sauf que bon, c'était pas très compliqué, hein, vous avez vu, j'ai fait un tête à queue, je l'ai quand même reçu. Premier champ de bataille. Et on va commencer la première fois sur le circuit de... le Shudoku circuit version extérieure, ok. Alors j'imagine que c'est des vraies routes. Ils ont dû s'inspirer de la vraie vie. Et on aura le circuit de Tsukuba, voilà, donc on a fait juste avant. Et Nissan Micra aussi. Bon, il explique chaque fois pour chaque circuit, blablabla, les descriptions. Ok, après on aura le Suzuka Circuit East Course, donc la version courte. Bon, il dit que ça accueille le Japan Touring Car, bon ben, bref, ça on va passer. Ah, je suis pas passé d'ailleurs, hein. Pas ça, je voulais te faire entrer. Entrer, faire la croix, et il se passe rien du tout. Ah, un nouvel arrivant, ah, ben, je vais le dire. Alors par contre c'est de l'anglais, donc du coup je... J'ai encore vu trop nul en anglais, c'est impressionnant. Allez, nouveau chargement. Je pense qu'on va revenir au départ. Voilà, donc du coup... donc je dois battre mes trois rivaux en fait sur leur circuit favori. Et quand j'aurai battu ces rivaux, je vais pouvoir battre pour le challenge du meilleur en fait concrètement. Ça c'est le premier message que l'on reçoit. Je trouve l'interface, alors j'ai pas trop parlé d'interface, mais je la trouve top.
Elle est très simpliste, mais elle est propre quoi. Elle est vraiment, elle est belle quoi. Je trouve que regardez, c'est nickel, c'est un peu métallique, léger, etc. Mais c'est nickel. Franchement, elle est super belle cette interface. Autant dans les Gran Turismo, j'étais en train de dire, mais ça c'est trop bien fait, c'est trop propre, c'est nickel. Et ben là, il y a encore un jeu où ça a rien à envier. Franchement, un Gran Turismo. Alors c'est peut-être un poil plus simpliste, mais tout est propre, voilà, tout est bien. Et on a le rancé, on a la date, on a les crédits, le nombre de jours. On sait la météo qu'il va y avoir. Voilà. Donc là par contre on est dans le menu d'accueil. Donc ici on va pouvoir faire la course directement. Là on va pouvoir aller dans le... On pourra acheter des choses pour la bagnole. Là aller dans le garage. Là on peut voir les informations du jeu, les données, les options. Et on peut mettre la fin, sortir de la quête concrètement. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça quête alors que ça aurait pu être le mode carrière concrètement. Alors on va aller dans le shop pour voir ce qu'on peut acheter pour la bagnole. Du coup on a le tuning. On a le Super Autobax, alors je sais pas ce que c'est le Super Autobax. On peut prendre, on peut acheter une nouvelle bagnole ou on peut voir une voiture d'occasion. On va directement aller dans le mode. Je sais pas ce que c'est celui-là. Super Autobax. Ça va faire plaisir à quelqu'un, ça. Ça va faire plaisir à quelqu'un. Donc, on peut rénover le garage ici. Ça a l'air excellent par contre. On peut changer la musique, super. Donc, je peux acheter des choses pour le garage ou pour la bagnole. Donc, si je vais dans la partie bagnole. Non, je suis trompé de touche en plus. Je me suis trompé de bagnole. De bouton. Voilà, donc Tuning Shop. On peut acheter quoi dans le Tuning Shop? Eh bien, on peut acheter. Alors, ça, c'est les choses recommandées. Ça, c'est pour la puissance, donc Power. Ça, c'est Power Train. Ça, c'est pour le body. C'est pour le châssis. Là, on va avoir pour les pneus. Là, on va avoir pour le pour l'aéro. Alors, Dress Up, je sais pas ce que ça va être. C'est quoi Dress Up? Dress Up, on a plusieurs choix. On a le... Ah oui, on peut mettre des lumières à l'avant, des lumières à l'arrière. On peut mettre des... Comment ça s'appelle? Un klaxon différent. On peut choisir l'émetteur. Alors, l'émetteur, je sais pas ce que c'est. L'émetteur, c'est quoi? L'émetteur, ça fait... Ouais, on a les front lights, ok. Ah, mais si je vais dans mettre, il se passe quoi? Ah, ok. Donc, je peux aller chez Blitz, Défi, HKS, Pivot, et à chaque fois, regardez, ça change le contour. C'est excellent. C'est excellent, les gars. Regardez ce qu'on peut faire. All in one, je sais pas ce que c'est. On va revenir en arrière. On a quoi d'autre? Ah oui, ça, c'est le tachymètre. Donc, ça, on a le motec ou le stack. Ok, donc ça, c'est quand on est dans la vue un peu embarqué. On va faire retour un petit peu. Ensuite... qu'est-ce qu'on pourrait changer? Il y a énormément de trucs en fait. License plate, je m'en fous. Color change, on va pas changer la couleur, on s'en fiche. On va revenir un petit peu en arrière, histoire de voir ce qu'on pourrait modifier. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut modifier au niveau de la puissance? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Alors, on a donc le... On peut rajouter donc un moteur, on a le computer, donc l'ordinateur ici. Type 1, type 2, ça coûte combien? Ça coûte 118 000. Et vous voyez en bas, on a la puissance qui va augmenter. Alors c'est très léger, regardez, on a à peine un cheval de plus. C'est pas comme Gran Turismo, on en gagne 5, 6, voire 10 des fois d'un coup. C'est pas beaucoup. Je vais pas changer la puissance, je pense que ça sert à rien pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? On pourrait changer... je sais pas trop, l'ordinateur de bord, ça va pas faire grand chose. Et si on met le moteur en type 1, ça va donner quoi? On va gagner 2 chevaux. Ça coûte 72 000. Bon, on va en acheter un. Voilà, directement. Et on va... il y a même un système de nitro. On peut rajouter de la nitro carrément dans le jeu, quoi. Ça, c'est le système de refroidissement. Bon, la nitro, on verra peut-être plus tard. On va revenir en arrière. Du coup, powertrain... Oh, le body, ce qu'on peut changer pour le châssis, tiens, par exemple. Ça va être intéressant de faire ça. On va baisser le poids, tiens, par exemple. On va faire normal type. J'aime bien baisser le poids. Bon, elle est ultra légère. On gagne combien? Ah, quand même, on gagne 15 kilos. Si on prend ça. Oui, on va l'appliquer tout de suite. Donc, on va sortir de là. Et, du coup... On en a encore un petit peu. Attendez, ça va augmenter le poids là? Non, quand même.
Ah, on peut remplacer, d'accord, ok, non, on va pas remplacer, ça sert à rien. On va revenir en arrière. donc voilà, on était dans le menu d'achat, donc c'est assez énorme, il y a énormément de trucs. Si, je vais juste voir ce qu'il y a au niveau du menu d'achat. Dans le tuning shop, on va aller du coup chercher pour le garage. Non, je vais être... Pourquoi je vais là? Je sais pas comment on pourrait faire pour changer les options pour le garage, ça. Ça. Là, attendez, on revient en arrière. Oui, c'était là, pardon. Voilà, Galaji. Du coup, quand on change, on a quoi comme garage? Ah, on en a plusieurs, ok, différents, mais je pensais qu'on aurait pu... On aurait pu en acheter d'autres, en fait. Rajouter des choses dans le garage, mais apparemment, on peut pas. Bon. Bon, je pense qu'on a assez passé de temps dans les menus. Du coup, on va revenir encore en arrière. Et on va lancer la course directement. Alors qu'en condition, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, on a le rancé, voilà. Avec les fields, du coup. 1, 2, 3. On va faire le premier field avec le rancé. DP Battle, ok. SP Battle. Ah, il y a plusieurs modes de jeu en fait. SP... Alors, SP, ça a l'air d'être du. Je sais pas ce que c'est. SP Battle, DP Battle, RP Battle, je n'ai aucune idée ce que c'est. Time Attack, No Entry. On va prendre SP Battle, rancé pour le moment. Et du coup, il nous demande. Oui, on va commencer l'événement. Hein. Oui. C'est parti. On est dans le paddock, donc du coup, là on va pouvoir le rival. On va pouvoir faire des changements ici, acheter encore des trucs, le shift assist on va le garder. On va pas changer les gommes, on va le laisser pour l'instant. Par contre, les rivaux. Ok, on a lui, on a lui. Alors pour l'instant c'est que les Trueno, j'ai l'impression, regarde, il y a plusieurs variantes. Corolla Levin. Pour l'instant c'est que les sprinters Trueno et les Corolla. Bah écoutez, on va se battre Trueno. Et du coup, c'est parti! C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que les SP Battle? Donc, on a battu nos rivaux en faisant des points de spirit, d'esprit. Alors, je sais pas ce que c'est les points d'esprit, hein. Pour moi, il faut se mettre derrière. Donc faut frapper sur L2 pour se battre contre lui. Ok, donc l'autre rival est affiché en haut quand la bataille termine aussi. Donc là c'est le mode battle. La première bataille. Alors après il y a le mode SP. Là, il y a un gap apparemment avec les voitures rivales quand la bataille commence. Ok, donc si on touche les adversaires, notre nombre de points va baisser. Voilà, donc faut éviter.
ースを外れてショートカットやオーバーランをすると SP が減っていきます。Donc si on sort de la piste ou si on prend un raccourci, ça va aussi baisser au niveau du SP. Et apparemment ça va commencer. Bon, je suis pas certain d'avoir tout compris. C'est pas grave. Apparemment il va falloir les suivre. Le suivre assez près pour commencer la bataille. C'est parti. Allez, good luck, on va changer de vue. Et du coup, donc on va appuyer sur R2 quand on sera près de lui pour... Alors on a 4 minutes apparemment, 40 pour réussir. Ok, bonne chance. Ouais, je vais perdre des points parce que je suis juste derrière lui. Alors on va dépasser des caisses apparemment. Ah du coup j'ai touché la voiture, j'ai quand même perdu des points. Oula, alors elle est pas évidente à conduire le cappuccino là. Et oui, l'écart est trop élevé donc je commence à perdre du... Il y a trop d'écart. Donc là j'ai perdu. Et j'ai perdu. Ça commence bien, j'ai perdu le premier set, c'est magnifique. Du coup je n'ai rien gagné. Ouais, faut que je m'habitue au maniement de la cappuccino qui est assez... Bah, c'est pas que c'est pas précis, c'est que on tourne un tout petit peu, la voiture elle met 2 ans à... En fait, à faire ce qu'on lui demande. Donc là, on va essayer à nouveau de rattraper la voiture pour nous. Il va falloir passer devant lui et lui mettre le plus d'avance possible. Le problème c'est que là on a une voiture qui est pas super rapide. Donc du coup il va vraiment falloir gérer. Je vais essayer de changer de vue un petit peu, on a une vue un petit peu plus éloignée. Enfin il va mettre avant en fait, c'est pas possible. À peine je ralentis, la voiture devient incontrôlable. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment... Des fois vous allez dire que je suis pas de... super doué, mais là je vous avoue, alors on joue contre une Integra, c'est hyper bien. On va essayer de passer devant. Oh, le voile blanc! Oh, c'est magnifique, c'était très bien fait. Très bien fait. On va essayer du coup de le dépasser. Et oui, la barre, quand, tant qu'il est derrière, la barre diminue pour lui. Et du coup, si j'arrive à faire diminuer sa barre assez avant la mienne, et bien, du coup, on va gagner. Là, on va essayer de dépasser la voiture autour. Voilà. B c'était pour la vue arrière, voilà, c'est bon. Donc pour l'instant on est en train de en prendre large, donc c'est parfait. Sa barre est en train de s'effacer. Et voilà, et du coup on a gagné. On a réussi à être plus rapide que lui. Donc ça fait plaisir. Du coup il nous reste tout ça à faire. On va voir du coup lequel on pourrait choisir. Donc on va revenir à l'événement, Back to Paddock non, on va rester sur le premier de toute façon. Et on peut voir le replay, c'est vrai que j'aurais presque pu voir le replay. Oula, ça va voir avec cette histoire. Donc là on a encore un free run, je pense qu'on va devoir du coup maintenant essayer de battre les deux autres voitures. Par contre il ne reste plus qu'une minute 50, c'est pas beaucoup. Là j'essaie de rattraper un rival. Et je crois qu'en plus, quand je les appelle avec R2, si j'arrive à faire une chaîne, je peux en avoir deux contre moi plutôt qu'un seul. Ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, je vais essayer de la rattraper, et je vais essayer de les dépasser tous et les prendre tous à la suite.
Voilà, chaîne limite. Chaîne limite, chaîne limite. Voilà. Donc premier set rival, on va avoir lui. Ce que j'aime bien, c'est que... Ce que j'aime bien, c'est qu'il met de l'avance dès le début, du coup... Là, il va être bloqué. Il va être bloqué, j'aurais pu passer directement là, malheureusement. Et comme il m'a bloqué, j'ai pas pu passer. Je vais rechanger de vue. La vue embarquée, voilà, le fausse vue cockpit. Qui est assez bizarre. Bon, ce test est assez décousu, je vous avoue. Enfin, c'est pas que c'est pas préparé, mais... C'est... Je découle le jeu en même temps, et honnêtement, il y a tellement d'informations à tirer dès le début, donc c'était un peu compliqué... montrer ça au calme. Du coup, il est en train de me battre. Hein. Il est en train de me battre. Bon, il freine. Je pense qu'il faut freiner. Et voilà, et du coup, je suis bloqué derrière une autre voiture. Et je perds des points. Ah, il va gagner. Hein. Il va gagner. Je vais jamais pouvoir le dépasser maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros freinage. En fait, il faut que j'anticipe mieux le dépassement des autres voitures, sinon je vais perdre à chaque fois. Et voilà, c'est perdu. C'est perdu. On a foiré encore une fois. Du coup, on gagne aucun point. On va passer à la suite. Et donc pour le coup, eh ben on va rester back to event. Hein. Par contre, il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste 33 secondes. Qu'est-ce que je fasse en 33 secondes les gars, je pense qu'il va falloir que je recommence en fait, hein, pour que ça marche mieux, parce que comme j'ai pas compris dès le début. Ben, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'étais très nul au début. Il me reste 18 secondes pour tenter ma chance. Bon, battle 1-7, c'est parti. Donc on va se battre contre elle. J'adore parce que le jeu m'envoie sur lui. Hein. J'étais en autopilote, il m'a envoyé contre sa voiture. Allez, donc là on va se battre contre une autre nous, je pense. Y'a pas la thune d'usine. Levin-Strauss. Ah, il va vite le bourre. Hein. Alors c'est vrai que j'ai pas une caisse très rapide. Peut-être qu'on essaiera de l'améliorer pour faire un peu mieux après. Mais... Ça bouchonne. On va peut-être pouvoir le passer là. Non, je l'ai poussé, j'aurais pas dû. Je l'ai poussé ou je l'ai dépassé. Allez, c'est pas grave, on a peut-être encore une autre chance. Bon, là-bas, en fait, plus on est proche, plus elle baisse lentement. Donc c'est pas trop grave. Il faut pas qu'il me mette trop d'avance, parce que sinon, elle va s'effacer d'un coup, là-bas. Elle est trop rapide. Trop rapide. Alors, j'ai pas trop parlé des graphismes. La voiture est plutôt bien faite. Franchement, plutôt réussie. Donc c'est correct, quoi. On est pas au niveau d'un Gran Turismo, mais on s'en rapproche. Surtout qu'il y a beaucoup plus d'options que dans les Gran Turismo. Je vais pouvoir passer, c'est bon, il est bloqué, yes! On est passé devant. Et il me reste une minute... Ah bah non, j'ai pas de temps cette fois-ci. On va essayer de le battre. Si on peut pas faire de bêtises quand même, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien, ça descend assez vite. Ça descend plus vite pour lui que pour moi, j'ai l'impression. Alors on a niveau d'huile, niveau d'eau. Apparemment, l'eau c'est bon. Attends, regardez les écrans, je vous avoue, c'est pas évident. Ok. Donc là, le SP Battle, bah, on va continuer du coup, mais on n'aura pas assez de temps. Voilà, il nous reste 0 secondes, donc normalement c'est fini. Free run time up, voilà. Bon, j'ai pas réussi à faire un truc exceptionnel, hein, vous en êtes rendu compte. Alors, du coup, bah, là on a plus que... En possibilité, on n'a plus que de battre à nouveau des rivaux, de faire la fin de l'événement. J'ai bien envie de recommencer, je vous avoue. Qu'est-ce qui se passe si on fait Running Rival? Donc lui, alors attendez, lui je l'ai foiré. Lui je l'ai pas... J'ai pas pu faire de rival contre lui, lui je l'ai battu. Donc il me reste le blanc et le jaune à tenter. Quand je vais dessus... Ouais, enfin il dit qu'en gros il y aura personne qui pourra me battre à jamais, on s'en prend un petit peu. Et donc on peut voir ses profils, son commentaire, voilà. Donc au niveau du profil, il s'appelle Hariku Miyake. alors c'est quoi ça du coup? Métropolitain Circuit, c'est son circuit préféré, d'accord. Bon, on voit l'expérience, il a 5 ans d'expérience. Bon,
Et apparemment, il serait. C'est quoi ça? Ouais. Ok, donc il est transporteur dans l'industrie. Bon. C'est cool tout ça! Je suis pas content de le savoir, les gars. C'est magnifique. Ouais, donc apparemment, il est caractérisé pour avoir beaucoup de capacités dans les virages. Bon, bref, il explique des trucs, c'est un peu bizarre. Je trouve que les profils sont assez chelous au niveau des. Niveau des concurrents. Alors, est-ce que je peux recommencer à nouveau? Et ah ben non, je peux pas. Bah oui, non, mais en fait, je peux pas. Je peux juste voir les rivaux. J'ai vu que j'en ai réussi un, j'en ai loupé un autre, et j'en ai pas fait avec deux autres. Donc, j'ai pas trop réussi mon truc. Donc voilà le classement final finalement. Oui, ça, c'est logique, ce que je viens de dire. Le classement final finalement. Donc pour le coup, on a perdu contre le numéro 5, on a gagné contre le numéro 3. Et du coup, j'ai remporté quelques points, j'ai gagné 265 000, c'est pas beaucoup. Je sais pas trop ce que ça va donner pour le coup après, mais bon. Alors, donc j'ai 48 postes non lus dans ma messagerie. Ok, ça serait intéressant. Et bah du coup on va revenir dans le menu shop, on va essayer de voir si on peut pas améliorer d'autres trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dans le menu shop, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Pour ramener le powertrain, j'ai envie d'améliorer les pneus. Pour avoir un peu plus de... Bah, avoir un peu plus de grip, hein, qu'on va... Pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas trop. Je pense qu'on pourrait prendre des nouveaux pneus. On peut monter les pneus. Pff, ouais, je sais pas trop. Bon, on va acheter des pneus. Alors, on a plusieurs marques. On a Inkey, Art, Speedline, Buddy Club. Il y a des vraies marques, hein, ça c'est cool. Gram Lights, on a le BM Creative Studio, Racing Sparko, Watanabe. Je sais pas si tous sont des marques existantes. Je pense que oui, parce que prendre Pro Drive, je connais. Qu'est-ce qu'on a? Work. Bah, je pense que si on est Suzuki, normalement on va plutôt travailler avec Work. Je crois que c'est Work qui travaille avec Suzuki si j'ai pas de bêtises. Et on a plusieurs. Ouais, mais là c'est juste des jantes en fait. c'est mignon les gars, mais bon, bon l'avantage c'est qu'on peut pas son usage, ça va bien. Mais moi je m'attendais à ce qu'on puisse en fait. En fait, acheter des pneus c'est bien, mais. On peut augmenter la taille des gommes, c'est une blague. Attendez, on va mettre à l'arrière juste pour rigoler. Bon, c'est de 2 pouces, c'est un peu bizarre, j'ai pas trop la différence. Bon, on va revenir en arrière au niveau des pneus, tant pis. On va se contenter de ça. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Powertrain. Bon, on va reprendre le powertrain. Hein, voilà. On va la transmission. On pourrait prendre les suspensions par exemple. Voilà, donc type 1 normal, type 2. Ça coûte 150 000, on va la mettre au maximum. Apparemment, on a encore plusieurs marques. Bon, allez, super autobax, peu importe, hein. Maintenant ça n'importe pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir changer l'alignement et la suspension dans les réglages. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite. Power train on l'a vu, bon, qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Body, j'ai envie de refaire le body. Ah, l'aéro. Changer l'aéro. Donc l'aéro, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut modifier l'avant, l'arrière. Spoiler. Je vais mettre un spoiler, voilà, ça fera bien qu'il coule le spoiler. Regardez comme c'est kéké, ça coûte 144 000, mais on est des kékés, on va quand même l'acheter. Voilà. Et du coup maintenant, bah, je vais pouvoir régler bonne force quoi. Enfin, les ailerons, bref, le racage des ailerons. Ensuite, body. Qu'est-ce que je pourrais modifier encore dans le body? Il n'y a pas grand-chose, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas spécialement. Parce qu'on a déjà fait la réduction du poids, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bon, je pense qu'on va pas faire grand-chose de plus. Dress-up, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tac, tac, tac... La hauteur. Distance plate.
On va mettre de la puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis revenu au même menu, c'est pas grave. Shop, on va revenir à nouveau là. On va peut-être améliorer quoi? On va améliorer la power. Power Ludo. J'ai déjà fait, computer je l'ai déjà fait. Ah oui, le. Comment ça s'appelle en français ça? Pot d'échappement? Allez, on va l'acheter. C'est 15 000. On va mettre Suzuki Sport cette fois-ci, voilà. On va valider. Donc ça c'est bon. Et pour le coup. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On va faire une autre course à nouveau. Et donc on va faire le fil 1 toujours. Et battle, RP battle. Bon, on va faire le. Qu'on a fait tout à l'heure, on a fait le RP Battle, on va faire le SP Battle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. On est déjà à 41 minutes, j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ce jeu, c'est impressionnant. Donc pour le coup, bah oui, on va faire un freerun de 5 minutes, c'est parti. J'ai déjà oublié ce qu'il faut faire. Dans un deuxième mode de jeu, c'est pas grave, on va essayer de deviner. J'ai pas trop parlé des musiques qui sont assez classiques, c'est ordinaire, voilà. On a un aileron, bon, vu qu'on a un aileron, c'est bon, on est refait. On va rester avec lui. Pour le moment, hein. Et là, on va jouer contre une... Alors, c'est Inu ou Cosmo, mais je crois que ça s'appelle, mais je sais pas. Wow, on n'arrête pas de se toucher depuis tout à l'heure. On a perdu tous les deux des points, ça va pas du tout. Il est passé devant moi. Est-ce que je vais pouvoir le passer à l'intérieur? Oui, j'aurais presque pu. C'est bon. Il a freiné, j'ai l'impression en plus. Il a freiné, il va repasser. Ah non, je pourrais pas. Il va me repasser, mince, tant pis. Alors prends l'inspiration. Je pense que sa voiture elle est beaucoup plus rapide que la mienne. Hein. Je pense que je vais pouvoir faire avec la. Avec la cappuccino. Pour pas faire du café. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il va être bloqué, il va être bloqué, il va être bloqué, il va tourner. Il s'est fait bloquer par la caisse, c'est bon. Ça va nous permettre de repasser devant. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est bon, ça passe. Allez, je rechange la vue une dernière fois quand même pour vous montrer un peu. La vue un peu éloignée, la vue avec le compteur qui sera changeable en plus dans le jeu. Et il y a quand même beaucoup de changements disponibles, hein, ça c'est vraiment cool. Alors, à force, je fasse gaffe, la voiture devant moi, s'il l'a passé. Alors voilà, cockpit générique, hein, c'est juste un petit overlay mis par-dessus. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On va tourner là. Aïe, on a touché un petit peu. Ça va se bloquer un peu. Ah, je suis presque sur le point de le battre. C'est bon, on a réussi. You win. Donc on l'a battu. Alors vraiment, plus je vais aller vite, plus je vais pouvoir justement avoir de chance de batailler contre les autres. C'est qui derrière d'ailleurs? Quand je rattrape la voiture de devant, on a encore 2 minutes 54. Donc je disais, les voitures sont plutôt bien faites, les circuits sont plutôt bien faits. Bon, c'est assez aliasé, mais bon, c'était vraiment un peu comme la Play 2. Alors on va avoir une MR2. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir réussir à rattraper la deuxième? Attends, non, je vais pas réussir, du coup, je vais être obligé de faire une bataille seulement entre nous. Ah, j'ai traîné un peu plus. Tard que lui, voilà, c'est bon, du coup c'est lui qui est derrière, et s'il me touche en plus c'est lui qui perd des points, alors autant que je le bloque. À l'intérieur c'est bon, bon j'imagine que c'est facile au début, hein, parce qu'on est en premier 20 minutes du jeu, j'ai déjà gagné, ok tout va bien. Magnifique.
Bah du coup on a gagné encore 164 000 CP. C'est pas beaucoup, mais on peut déjà acheter pas mal de trucs. Du coup, on va passer à la suite. Bah on continue, de toute façon tant que le timer n'est pas terminé. Oula! Oh, l'autopilote qui s'est crashé au dernier moment. Ah bah elle je l'ai pas cherché. Et là on va battre un set avec lui, donc on va se battre contre une Nissan Silvia. Ah malheureusement j'ai essayé de le bloquer, c'est pas passé. Bon il a l'air d'avoir pas mal de chevaux par rapport à moi, donc... Ouh le vent qu'il met. Ouh, ça commence mal. Je vais essayer de le rattraper. Alors, il va falloir céder des voitures autour pour justement l'empêcher de rester devant trop longtemps. J'ai déjà perdu pas mal de temps d'ailleurs. Allez, il est bloqué par une voiture. On va essayer de le bloquer par la Yaris devant ou la Vite, c'est comme vous voulez. Pour l'instant, il est bloqué. Nickel. Et on l'a battu. On ne sait pas que ça serait possible. 203 000 CP. On sent pas mal. On sent mieux que tout à l'heure déjà. Il reste 37 secondes. C'est quoi derrière? On l'a déjà battu, donc on va pas la battre, on va pas la faire à nouveau. Il reste qui en fait à battre? Parce que là devant nous c'est encore la même que tout à l'heure, il me reste 29 secondes. Je sais pas du tout quelle voiture je suis censé battre là. Elle, je l'ai déjà battue. Il reste celle qui est tout au long, au fond. Est-ce que j'ai pour la rattraper à temps? Ouais, 20 secondes, je pense que ça va être bon. Il en restait deux même, il restait la jaune. Yes, j'ai réussi à en prendre deux d'un coup. Ah, par contre, il y a un petit bug de... Il y a un léger bug. Si je gère bien, je récupère l'intérieur, je dépasse. Ça c'est bon. On va essayer de l'empêcher de passer. Oh, il est passé en partie en... à la dérive. Alors j'imagine que lui, il est lourd, ben en fait ça va un peu évoluer à la fin. Et je l'ai bloqué. Yes, j'ai réussi à le bloquer. C'est quand on aura trop utilisé le véhicule, peut-être qu'après il faudra qu'on... Je sais pas, qu'on remplace lui, le lot, aucune idée, peut-être qu'on va la faire surchauffer, je sais pas. Et j'ai réussi. Ça s'est bien passé. Par contre, l'avantage d'avoir réussi à en grabber deux, c'est peut-être que je peux enchaîner sur le deuxième. Ouais, c'est bon. On a enchaîné du coup sur le deuxième, c'est parfait. Et du coup, c'est parfait parce que ben, on est devant lui dès le début. On a la célérité. Bon, qu'est-ce que je pense déjà du jeu pour un début? Bah écoutez, on n'a pas vu grand-chose, hein, on va pas se mentir. J'essaie de vous montrer un petit peu, un peu le maximum de trucs qu'il y avait à montrer. Mais le jeu a l'air sympa parce qu'on peut améliorer son véhicule de pas mal de manières. On peut aussi le personnaliser, on peut mettre de la déco. Je pense que le niveau de difficulté va augmenter. Si vous aimez ce type de jeu, ça a l'air excellent. Ça a l'air excellent, franchement. Bon, après, niveau maniement, je vais pas continuer là, je vais laisser un menu en pause 3 secondes histoire de m'expliquer parce qu'après c'est un peu difficile de parler. Mais je trouve que le maniement est pas trop mal.
Et ce que je trouve bizarre, c'est que par exemple, quand on freine, bon, pas très fort, ça c'est pas le problème. Mais par contre, je trouve qu'elle a un énorme grip dans le virage et c'est pas spécialement réaliste. Je pars en tête à queue en fait, normalement, quand on part en tête à queue avec la voiture, on a tendance à un peu aller sortir du virage. Et là, bah, une fois qu'on a repris le grip, elle tourne super bien. Voilà, donc c'est un petit truc qui me paraît un peu bizarre. Mais c'est fini de toute façon, il est resté Weather au monde, donc le freerun est terminé, voilà. Bon, alors si j'ai bien compris, en bas à gauche, quand ils sont en vert, c'est qu'on les a déjà battus. Ou échoués, mais en tout cas, ils ont une couleur différente. Donc ça me permet de savoir sur le circuit ce qu'on a encore à battre. Donc du coup, on va voir le résultat. Donc elle je l'ai battue, je n'ai pas eu le temps de la battre. Et la jaune, bah, je l'ai battue, donc ça c'est cool. Voilà, donc du coup, compte rendu final, on va avoir un peu plus d'argent, je pense. Bah oui, on a gagné combien ? Tout des 1 million. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux. on aurait pu vraiment se planter comme ça, et finalement, on a fait beaucoup mieux. En fait, c'est les mêmes modes de jeu. Je pensais qu'il y avait 3 modes de jeu différents. Là, je suis un peu déçu. C'est que je pensais qu'il y aurait 3 modes de jeu, et là, il n'y en a qu'un seul, en fait. C'est toujours le même. Et j'ai encore 66 postes non lus. Build and board, information. Bon, enfin, toujours pareil. Hein. Il nous dit la même chose que d'habitude. Et d'ailleurs, si on allait voir ce bulletin d'information, justement. Donc, il est là, le bulletin d'information. Hop. Voilà, les familles 66 messages non lus. D'ailleurs, on a des informations sur les nouveaux produits ici. Et on peut voir les événements aussi. Et la liste des pilotes auxquels on est tombé. On peut même regarder un film. Maintenant, pour regarder un film, c'est génial. Alors, on a la démo, le promotion, workshop, qu'est-ce que c'est que le SP Battle, l'opening, et bah pour le moment, la licence C qui est acquis. Donc, c'est quand vous débloquez au fur et à mesure du jeu des petites vidéos, des petites intros ou des petites des petits passages, bah vous pouvez les voir dans ce menu vidéo. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, ensuite, Driver List, bah on a déjà vu les événements. On va voir le bulletin board d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah oui, donc on a dit voilà, plusieurs voilà, discussions libres, réponse pour la customisation, pour les événements. Ok, bon, par exemple, je sais pas, on va mettre par exemple. Ah, bah c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le menu des rivaux, quand on a regardé un petit peu le profil. Et là du coup, donc on a les circuits, les RP Battle, DP Battle, le rang up, voilà, tout ce qui est attrait au rang. Quoi d'autre, ben voilà, rang 2, rang 3, bon, ok, enfin c'est tous les messages qu'on a reçus par rapport au jeu, si on veut les relire, on peut, donc ça c'est bien. Donc voilà pour le menu information. On est à 53 minutes, je pense qu'on va faire une dernière. Histoire 2, j'aurais bien envie d'acheter d'autres choses, mais en termes de pognon, ça n'a pas l'air énorme. Je vais quand même regarder dans le shop. Si on peut pas acheter des nouvelles caisses, ça serait vraiment cool. Attendez, pas au bon moment. Alors, le garage. Mais en fait, je pourrais pas, c'est grisé, en fait, je peux pas y aller. C'est, ça y est pas. Du coup, bah, on va revenir dans le menu. Car dealer, on va aller, voilà. Et on va acheter notre bagnole. Est-ce qu'on a assez de l'argent? Oui, on a assez. Et ça, c'est les voitures usées. Je veux des vraies voitures. Attendez, mais on a que des voitures. Pas. On a que des bagnoles. Ah non, c'est bon, nouvelle bagnole. On va aller chercher carrément une bagnole et puis on va faire une dernière avec ce genre de caisse. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On a que 40 millions par contre, on a beaucoup moins des Yatsu. Oui, je pourrais prendre la Copen. Et peut-être que c'est l'occasion de prendre des trucs un petit peu différents cette fois-ci. Tegra Type-R S2000, on pourrait prendre une S2000, mais je pense qu'elle va être assez chère. Chez Nissan, on a quoi? Ouais, on a une marche, ça va parler très vite. Chez Mazda, on va avoir quoi? Une RX-7. 3 millions, on pourrait l'acheter. Ça, c'est le roster, c'est la Mazda MX-5.
On va prendre ça. Nestima. Allez, vous savez quoi? On va finir avec ce genre de caisse pour rigoler. On va la prendre... On va la prendre en rouge, tiens, pour une fois. Oui, je veux. Et on va aller chercher de la puissance directement, voilà. Avec le peu d'argent qui nous aide, on va l'activer directement, voilà. Hop, ça c'est bon. Donc le body, on va baisser le poids. On augmente le poids, c'est ça que je comprends pas, type 2 ça augmente. Pas trop à quoi ça sert ça. Bah du coup on va plutôt baisser le poids. Voilà, 1695 kg, ça sera bon. Et on va juste faire ça. On va faire une petite dernière, le fil de 1, et on va le mettre en Battle Rank C, celui qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Battle. Allez, le DP, on n'a pas fait tout à l'heure, on va le tenter. Ça se trouve, ça sera impossible avec cette bagnole, mais bon. Je pense que si toutes les bagnoles sont disponibles, c'est que normalement on est censé pouvoir quand même réussir avec. Donc, les rivaux, on va avoir une MX5, on va avoir une MR2, une Celica, une Sylvia. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous demande là du coup de faire? On va avoir quoi? Ah, il donne d'accord, ok, chaque section, il y a chaque tour de bagnole différent. Ah, c'est le niveau de difficulté. Donc en fait, si on a au minimum du niveau de difficulté, je crois. C'est amateur, ça c'est... c'est loup. Bon, on va faire amateur. Comme ça au moins. Ah, mais c'est du drift! Donc du coup, il y a vraiment... Ok. Ok, je pensais qu'il y avait trop de mode de jeu, mais non, on a encore un mode de jeu, le mode drift. Bon, heureusement qu'on n'est pas parti avant. Ok, là on peut faire du drift à nouveau. Ouais, il faut rester dans la ligne en fait. Donc là il évalue, ok, avec le système de mesure. Bon, je sais pas. Go. Oui, donc si on se loupe, on part en tête à queue, etc., ça va arrêter le jugement, donc du coup, ben, on n'aura pas de points. C'est un peu comme Gran Turismo, hein, Gran Turismo 5. Et Gran Turismo 6 aussi, parce que je crois que le système de drift, il a continué dans les nouveaux Gran Turismo. Je sais pas si dans le 7, il y ait le mode drift d'ailleurs, ce serait intéressant. Et du coup, ben, on va démarrer le mode drift. Alors par contre, le mode drift, ça va être assez bizarre parce qu'on est avec un monospace. Je sais pas si vous avez compris le délire. À mon avis... ok, donc il va être devant nous, il va essayer de faire son drift. Nous, on va être derrière, on va essayer de faire mieux. Ou l'inverse, hein. En tout cas, voilà, c'est parti. Good luck. Je le vois même pas, il est où? Ah mais il est là. Ah mais il est en mode fantôme. Ok. Et alors je sais plus comment on fait le frein à main, puisque le rond, ça permet justement... Ah, c'était pas une section pour du drift, ok, je viens de comprendre. Ouh là là, ça va être compliqué, parce que là, j'ai pas du tout... Voilà, je l'ai pas du tout mis dans la bonne section. Je suis à 3000. Jugement, bonus, ok. Qu'est-ce que c'est le bonus d'ailleurs, le bonus 2? Hop 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 hop. Top jugement. Bah du coup, ouais, j'ai échoué le dernier virage, je pense que je vais pas réussir.
Alors j'ai pas trop. Oui, j'ai réussi, j'ai quand même réussi à gagner. Bon, parce que j'ai fait un bon temps. J'ai fait. J'ai pas trop compris. On a fait 8300, il a fait 4008. Ah non, sur les deux secteurs, j'ai réussi à avoir assez de points. Ok. Bon, bah voilà, donc, du coup, c'est les résultats, tout va bien. Donc, pour le coup. Alors, on peut faire pas grand choix. On va voir le replay, tiens. Comme ça, on va voir si ça donne un petit. Alors, je peux changer la vue, je peux faire l'analyse de course. Sur les côtés, voilà, on peut voir que j'ai tourné, accéléré, j'ai freiné. On peut changer la vue avec rond, ça c'est pas mal. Replay back, replay end. Changer la vue. Bon, on va se mettre en vue extérieure. Regardez comme c'est beau, du drift avec un monospace, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura un Nissan Prairie. si Guillaume passe par là. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà une heure. Ouh là. Je pensais pas que ça ira aussi vite. Du coup. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça m'a l'air super sympa. Si vous êtes pas. Comment dire? Si le japonais vous bloque pas. Bon, après, vous tâtonnez. Hein. Pour regarder un peu chaque truc. Je pense que vous allez comprendre à la fin ce que ça veut dire. Hein. C'est l'histoire de Daniel. J'ai essayé de vous montrer le maximum de trucs, de vous expliquer un peu tout ce qu'il y avait. C'est pas facile. Donc, si le jeu est traduit, bah, jetez-vous dessus. Si vous en foutez de pas trop comprendre tout, je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser. En tout cas, le jeu est plutôt bien fait graphiquement. Les sons sont plutôt corrects. Bon, on n'a pas dû embarquer, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup dans les jeux PS2, donc c'est pas trop grave. On est dans la zone univers à la japonaise. Je sais pas si la durée de vie du jeu est très élevée. Vous avez, il y a quand même pas mal de modes. Bon, je suis à peine au tout début, hein, et pourtant, on est déjà au bout d'une heure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, même si le mieux pour aller répondre, c'est d'avoir quand même le jeu, et de pouvoir y jouer vous-même. Voilà, donc c'était Racing Battle C1 Grand Prix sur PlayStation 2, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!